Par la rue, le boulevard Saint-Michel, s'il vous plaît. Elsa, c'est moi. Oui, salut ma poule, ça va? Non, ça va pas du tout. Ça va pas. Bah, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai vu Bastien. Mais Bastien, Bastien qui? Bastien. Pourquoi tu pars doucement là? J'entends rien. Bastien. C'est qui ce Bastien? Bastien. Tu sais, mon ami d'enfance, à la vie, à la mort. Tu te souviens? Hein? Non, pas du tout. Il a déménagé quand je t'ai rencontré. Ah, Bastien, amour de ta vie. Bastien, ton amour d'enfance. Celui que tu voulais avoir des enfants avec lui quand vous aviez 10 ans, ouais. Ouais, mais c'est encore l'homme de ma vie qui vient, figure-toi peut-être. Mais pourquoi tu lui as parlé? Mais non, je l'ai pas parlé, je l'ai suivi. Tu l'as suivi? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ben ouais, il était dans le métro et... Je l'ai suivi dans le métro. Et puis je l'ai suivi dans la rue. Et là, il est dans l'hôtel, mais je sais pas quoi faire. Il faut que tu viennes, sinon je vais mourir. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ben, je veux que tu lui parles. Tu lui parles et que tu lui demandes... Enfin, il faut que tu viennes quand même. Viens, je t'en supplie, je t'en supplie. Mais t'es où? Ben, je suis rue Gilles-le-Cœur. Le cœur, c'est un signe, ça, non? Ouais, c'est ça, ouais, c'est un signe. Bon, j'arrive. Le cœur, c'est un signe? Oui, c'est un signe, oui. Bon, j'arrive, ne bouge pas. Je t'attends. Rugis le cœur, s'il vous plaît. Merci. Elsa. Elle est pas bonne notre club, hein? Bon, alors voilà, j'ai un plan. Bah, j'ai eu le temps de passer, hein, vu que j'ai pas roté 20 minutes. Bon, ok, ok. Bon, il est où ton hôtel là? Bah, il est là-bas, là-bas, là. Et tu chuchotais au téléphone. Ok, ça va, ça va. Qu'est-ce que tu veux?
qu'est-ce que tu veux que je fasse? Alors voilà, tu rentres dans l'hôtel. Et puis là, ce qu'il faut que tu saches, c'est s'il est marié, s'il a des enfants, depuis combien de temps il est là, combien de temps il compte rester, et surtout s'il pense à moi et s'il parle de moi. Bon, ok, juste s'il pense à moi alors. Qu'est-ce que t'as avec ce type? Mais c'est peut-être l'homme de ma vie. Oh, tu es folle. Mais je t'aime bien, tu es mignonne. J'y vais. Allez, attends-moi là. Hein. Alors, ben il était pas là. Comment ça, il était pas là? Bah, j'ai vu sa chambre, mais il y avait personne. Mais t'es rentrée dans sa chambre? Non, je suis pas allée dans sa chambre. C'est que la porte était ouverte parce que la femme de ménage faisait le ménage, mais il était pas là, lui. Bon, ben, c'est pas grave, on a qu'à l'attendre alors. Non, mais je peux pas rester, c'est pas grave, hein, tu sais, c'est pas. Te fais pas de soucis avec ça. Allez, on s'appelle. Salut, ma poule. Allô? Ah bah putain, enfin j'arrive à t'avoir. Ouais. Tu sais quoi, je sais tout. Elsa, elle m'a tout raconté. Elle m'a tout raconté, quoi. Je sais pourquoi j'arrive pas à te joindre depuis 2 heures. Je sais pas où t'es, je sais pas ce que tu fais, mais je sais tout, là. L'histoire de ce mec et tout, là. Mais de quel mec? Enfin, je vois pas de quoi tu parles. Ah, tu sais pas de quoi je parle. En plus, tu me prends pour un con, tu me mens. Elle m'a tout raconté, je te dis, tu comprends ça? Elle m'a tout raconté, je sais tout. Non mais, calme-toi, oui d'accord, je vois. Non, mais en fait, non, c'est complètement con, c'est juste que j'ai cru retrouver un ami d'enfance et voilà, c'est ça. Mais il n'y a rien du tout, quoi, enfin, c'est juste... c'est un ami que je connais depuis que je suis petite, en fait. Ah ouais, pourquoi j'essaye de te joindre depuis 2 heures et j'arrive pas à t'avoir, moi? Pourquoi tu... Arrête, c'est bon, ça suffit, je t'ai dit non, je te prends pas pour un con, il n'y a rien du tout, alors... arrête, qu'est-ce que tu veux que je te dise là? Y a rien, voilà. Bah, y a rien, moi je voudrais que tu me dises pourquoi ton putain d'ami d'enfance tu m'en as jamais parlé, quoi. D'accord? De toute façon, tu vas rentrer à la maison, mais putain, mais si tu rentres pas maintenant, je te tue, quoi. D'accord? Je te tue, quoi, je te jure. Et oh, calme-toi, c'est bon, ça va, arrête, quoi. Arrête, c'est bon, arrête. De quoi tu parles là? Pourquoi tu me menaces? Arrête de me menacer, t'es malade ou quoi? Je te menace pas, tu me prends pour un con, d'accord? En fait, tu me trompes avec le premier revenu, je sais pas qui c'est, espèce d'ami d'enfance de mon cul là. Tu vas rentrer, putain, ça me rend barjou, tu vas rentrer tout de suite, quoi. Allô? Allô? Hé, hey, t'es là ou quoi? Putain! Ah. Elsa? Non mais t'as pété un plomb ou quoi? T'es complètement barré? Qu'est-ce qui t'est arrivé là? Pourquoi tu lui as dit? Pourquoi tu lui as parlé de ça? T'es malade ou quoi? Il va me buter! Mais t'es complètement folle, qu'est-ce qui t'a pris là? Il va me buter, tu comprends? Je vais rentrer chez moi, il va me foutre dehors! Mais arrête! Calme-toi enfin! J'ai pas dit que tu avais un amant! J'ai dit, qu'est-ce que j'ai dit? Je sais pas ce que j'ai dit. J'ai dit que tu avais revu un ami d'enfance. C'est tout ce que j'ai dit, d'accord? Ce n'est pas ma faute! Oh, c'est ça, c'est pas ta faute! Salope, tu m'avais dit que tu l'avais pas vu! Tu m'avais dit que tu l'avais pas vu? Oui, bah je l'ai vu! Attends. Voilà, je l'ai vu. Tu l'as vu? Tu m'avais dit que tu l'avais pas vu? Pourquoi tu me dis que tu l'as vu là? Je l'ai vu, il est sorti, il est passé. J'ai vu que c'était lui, je lui ai demandé une cigarette, on est parti, voilà, c'est tout. C'est tout. Il s'est rien passé d'autre. C'est comme ça, on n'a pas couché ensemble? Pas comme si on avait couché ensemble? Couché avec lui? Mais non! Mais comment t'as pu me faire un truc pareil?
Je croyais que t'étais ma meilleure amie. Comment t'as pu me faire un truc pareil? Arrête de me raconter des conneries, c'est bon. Arrête de me raconter des conneries, hein. Je vais te buter, Elsa. Si je meurs, tu meurs aussi, tu comprends? Si je meurs, tu meurs aussi. Putain! Calme-toi. Non, tu ne me dis pas de me calmer. Je te dis de te calmer. Mais tu ne me dis pas de me calmer. Je te dis de te calmer. Non, arrête, arrête, arrête. Ne me dis pas de me calmer, ok? Tu ne me dis pas de me calmer. C'est pas le moment, tu ne me dis pas de me calmer. J'ai un autre appel, là. Allô? Oui, c'est moi. Ouais. Arrête, arrête. C'est bon, je reprends. Deux secondes. Ah, alors? Merde, 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 lâche-moi maintenant. Calme-toi. Calme-toi. Il va me buter, il ne laissera jamais passer ça, tu comprends? Qu'est-ce que je vais faire, moi? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais me retrouver à la rue? Hein? Ou alors je vais me retrouver une balle dans la tête et je vais mourir à 30 ans? Qu'est-ce que je vais faire? Putain, t'as intérêt à me donner un coup de main? T'es vraiment une salope, merde! Comment t'as pu me faire un truc pareil? Ok. It's cool. It's cool. J'ai rien dit de grave, ok? J'ai un autre appel. Putain, elle me fait chier. Va te faire foutre. Putain, je vais te tuer. Ok, bon, d'accord. Bon, on peut avancer, là? Le trafic, là? Vous pouvez pas changer de rue, non? Tu te calmes. Hein? Tu te calmes. Je te reprends, hein? Isa? On peut avancer, là, un peu. On peut tourner à droite, changer de rue. C'est possible, ça? C'est possible de changer de rue? Elsa? Mais Elsa... Putain! Chier celui-là aussi. Chier la circulation. Merde. Ah, bon, j'ai...